Mais en 2024, faute de chef d'État et de gouvernement étrangers, la tribune a été remplie de galonnés algériens. Remplie. Vous avez toute la violence, vous avez vu toute la violence qui vous attend. Vous avez les généraux qui ont peur des autres généraux, vous avez les généraux qui décident de comment est-ce qu'ils vont mener l'Algérie, et seule une révolution des œillets à l'intérieur de l'état-major de l'Algérie, de l'état-major de l'armée, pourrait sauver la nation algérienne. Seule. Donc, restez tranquille. Demeurez pacifique. Satisfaction. Les conséquences dramatiques du coup d'État ont été évitées. Très bien. C'est une petite satisfaction. Des détenus politiques ont été libérés. Il se trouve qu'il y a eu beaucoup plus de détenus de droit commun qui ont été libérés. Hein? OK? Vous comprendrez aisément qu'il s'agit de l'arbre qui cache la forêt. Vous comprendrez aussi qu'il s'agit du maintien de la menace sur tous les Algériens qui se la ramèneront. OK? Passons sur ça. Est-ce que les détenus politiques algériens ont été libérés par suite à des pressions internationales? Jamais et au grand jamais. Les pressions internationales sur l'Algérie ont donné un résultat positif. Jamais, au grand jamais, les pressions internationales ont servi autre chose que les intérêts de l'OTAN. Jamais. Parlons concrètement. Quiconque vous dira que ce sont les pressions internationales qui ont permis la libération des détenus politiques en Algérie se fout le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ou du moins, se fout les doigts dans les yeux jusqu'à ses coudes. La preuve. Il en reste toujours. L'autre preuve. Si les pressions internationales permettaient la libération des détenus politiques, en plus, un détenu politique passerait 2 mois, 3 mois, on va dire 6 mois en prison. Mais pas autant. Pas des peines de 5 ans, pas des peines de 7 ans, pas des peines, etc. Pas des souffrances comme ça. Ça, c'est des éléments basiques d'analyse. Hein? OK. Pour maintenant que détenus politiques ont été libérés. Je reviens sur certaines actions internationales. Je suis parti en Norvège. Je me suis adressé aux maisons, à la Fondation des droits de l'homme à Oslo. Je me suis déplacé personnellement. J'ai envoyé des emails et j'ai déposé des lettres. Aucune réaction. J'éviterai de donner tous les détails, s'il vous plaît, là, parce que c'est très complexe, très complexe. En Norvège. Des fondations de droits de l'homme. Je me suis déplacé et déposé un dossier. 5, 6 pages. Auprès du FAFO, à Oslo. FAFO. Le FAFO, c'est un institut de sciences, de recherche sociologique, socio-économique. C'est lui qui a organisé la conférence de la paix d'Oslo entre les Israéliens et les Palestiniens, entre Yasser Arafat et Shimon Peres. Je les ai contactés. J'ai contacté le Premier ministre de Norvège, qui m'a répondu moins d'une semaine après, qui m'avait suggéré de contacter le ministre des Affaires étrangères de l'époque, chose que j'ai faite dans les 3 jours après. Hein. Un message très court, la copie de la lettre que j'avais envoyée au Premier ministre, réaction du ministre des Affaires étrangères de la Norvège, zéro. OK? J'ai contacté la presse, Posten, quelque chose comme ça, After Posten, rien. Je me suis déplacé, j'ai parlé avec eux au téléphone, au siège même, du moins à la réception du bâtiment dans lequel se trouvait le journal.
J'ai eu un problème avec NRK. NRK, c'est la chaîne de télévision publique norvégienne. Je suis parti. J'ai déposé des documents. On m'a demandé de revenir. C'est-à-dire, ils m'ont dit qu'ils allaient me contacter. Ils avaient tardé pour le faire. Je suis reparti. J'ai eu un sérieux problème avec les journalistes. Avec toute une clique là de NRK, voilà. Hein? De NRK. À Montréal, je suis passé à Amnesty International 2 fois. J'ai déposé un gros dossier comme ça. Aucune réaction. J'ai contacté des journalistes canadiens. J'ai contacté le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Rien. Donc, évitez ces histoires-là de pression internationale. OK ?